Deuxième jour du voyage de blogueur, aujourd'hui on va prendre l'avion pour aller à Buriram. Et Ratatam. Ah oui, je peux pas m'empêcher. Hein. Donc c'est parti. Vous voyez, je vous ai pas menti, je vais à Buriram. Parmi les magazines dans l'avion, il y a Madame Figaro. Alors comme ça, je croyais que c'était en français, en fait, mais non, c'est une version thaï de Madame Figaro. Et donc nous voilà à Buriram. Je peux d'ores et déjà vous dire que c'est pas le plus grand aéroport du monde, ni de Thaïlande, bien évidemment. Et voilà le minivan qui va nous conduire toute la journée. Alors vous voyez, je pense que le soir, il fait nightclub. Il viendra peut-être danser ici ce soir. Juste pour info, pour ceux qui penseraient venir ici en avion, l'aéroport est quand même à 26 km. Vous avez des transferts qui sont proposés depuis le hall de l'aéroport et ça coûte 200 bahts. Et donc si vous voulez visiter le Muang Tham, donc si vous le visitez seul, ça vous coûtera 100 bahts, mais autant prendre directement un ticket combiné avec le Panomrong à 150 bahts. Alors, il y a une cérémonie hindoue. Le groupe va par là-bas, mais moi j'ai envie de voir ce que c'est. Alors je vous cache pas que quand vous viendrez, vous aurez probablement pas le même accueil, pas la même ambiance, hein. Moi la dernière fois que j'étais venu, il n'y avait pas ça. Alors ce temple, c'est vraiment un temple que j'aime bien, qui est agréable avec ses petits bassins. Là, on a un peu de chance, le soleil finit par se lever. C'est un des plus beaux temples khmers de Thaïlande, avec le Panomrong qui est pas très loin, qui a quelques kilomètres et qu'on viendra voir tout à l'heure, a priori. Et puis le temple de Pimai, petit temple que j'aime beaucoup aussi, qui n'est pas sans rappeler celui d'Angkor. Donc deuxième étape, le Panomrong Historical Park. Historical Park, pardon. Alors ce temple, il a été construit sous le règne du même roi qui a construit Angkor Wat au Cambodge, le temple khmer le plus célèbre du monde. Mais par contre apparemment, il aurait été construit antérieurement à Angkor Wat. Pour le temple du Panomrong, outre cette grande allée qui fait sa réputation, il y a un phénomène solaire qui se passe 4 fois par an. Avec le soleil qui se lève et qui se couche à travers les 14 portes du temple. Et ça, je vous cache pas que ça attire du monde. Alors malheureusement, nous, quand on est là, bah, ça n'aura pas lieu, hein, puisque la prochaine fois que ça aura lieu, ce sera en septembre. Donc voilà, le temple à proprement parler. Le temple du Panomrong. Et donc voici le fameux alignement des portes du temple du Panomrong. Et donc c'est dans cet alignement-là, donc il y a 14 portes, que le soleil se couche ou se lève 4 fois par an.
Le Panumbrung, j'étais déjà venu, mais ça fait plaisir de revoir ce temple. C'est un temple que j'aime vraiment beaucoup. Et donc je suis content de revenir, même si les conditions météo sont pas super intéressantes. Désolé, il y avait une marche. Voilà l'escalier et l'allée qu'on a monté. Alors vous voyez, il y a un moine apparemment qui s'est installé au milieu pour méditer. Pour ce soir, je vais séjourner à l'hôtel de l'amour. Alors avec un nom comme ça, c'est un peu dommage d'être tout seul, mais bon. Vous avez la piscine de l'amour, du coup. Vous avez, voilà, le swimming de l'amour. Alors les toilettes, par contre, c'est pas les toilettes de l'amour. On ne sait pas pourquoi. Vous avez le staff de l'amour. Enfin, c'est tout de l'amour ici. Et donc ma chambre est dans le building de l'amour 3. La revanche du retour du building de l'amour. Du deuxième jour du voyage des blogueurs, je me filme depuis l'intérieur d'un abat-jour. C'est le seul moyen que j'ai trouvé d'avoir suffisamment de lumière pour avoir un tout petit peu de qualité dans la vidéo. Quelques précisions rapides du coup, parce que je voudrais pas non plus que mes cheveux prennent feu. Si vous voulez faire les mêmes visites que celles qu'on a faites, c'est-à-dire le Panumbrung et le Wat Muang Tham, plutôt que de poser vos valises à Buriram, je vous conseille d'aller à Nangrong, qui est la ville la plus proche de ces deux temples. Vous retrouverez une sélection d'hôtels proche ou à Nangrong sur le site thailandi.com dans la rubrique destination puis Nangrong ou hôtel et guest house puis Nangrong. Demain, on sera à nouveau à Buriram pour des visites plus sportives, mais je vous en dis pas plus, vous verrez ça demain.